thank you Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le midi 10, le point actu sur les Girondins, à mi-journée. On est le lundi 18 mars et je suis super content de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. Je vois qu'il y a pas mal de connectés déjà. Euh, déjà, je vais, je vais saluer tous ceux qui sont connectés euh, Romain, Benoît, Gégé, David, Didi, euh, Béatrix. Monsieur John, tous ceux qui, qui se connectent, là, je salue tous ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube, puisqu'on a passé les 12 900 abonnés, c'est formidable. On est bientôt aux 13 000, on s'était dit, si on arrive aux 13 000 avant la fin de la saison, ça serait super. Eh bien écoutez, on y est presque. Je salue tous ceux qui nous regardent sur Facebook, je vois Noël qui est là, je salue Bordelais Allé qui est sur Twitch, Fred, Doglouglou glou aussi. Bienvenue, je salue les sociaux qui sont... Abonnés à Web Gironda qui soutiennent notre média puisque Web Girondin est un média à l'écrit sur notre site webgirondin.com, à l'audio avec les podcasts et en vidéo avec les émissions sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vous avez de nombreux avantages. C'est grâce à vous que je peux organiser tout ça. Euh, S'il n'y avait pas le soutien des abonnés, puisque on est indépendant financièrement, on fonctionne publicité et les abonnements de ceux qui nous soutiennent. Vous avez vu une belle interview de Mathieu Chalmé la semaine dernière. Il y en a une autre qui arrive cette semaine. Donc, euh, avec des, des chiffres que nous n'avons pas ailleurs, notamment avec la rubrique Data Girondin. Bref, il y a plein de choses. L'espace communautaire aussi euh, sur le Discord. Et je salue tous les copains du Discord. Salut Philippe, salut Sylvain. Quel est le programme de ce point actu, de ce midi 10 C'est assez simple. On va revenir aujourd'hui sur le week-end catastrophique des Girondins de Bordeaux. Parce que oui, ce week-end a été dur, euh, a été difficile, et on va revenir dessus à mi-journée, sachant que ce soir, il y a le talk. Je vous donnerai le programme du talk ce soir où on a un invité qui viendra s'exprimer. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et faire un petit like sur la chaîne YouTube pour nous aider, parce que vous savez... C'est essentiel. Salut Mathieu qui est là. Allez, bon, on va commencer tranquillement ce programme. Euh, on va revenir bah, sur ce match. Hein. Match difficile face à Annecy. Hein. Même si je vous rappelle que j'avais pronostiqué une défaite 1-0. Malheureusement, j'étais trop court. On a pris trois buts. On ne sait pas qu'on en prendrait autant. Et la réaction du coach, plutôt sobre pour une fois. Et c'est là où on peut se dire qu'il a été euh, recadré entre guillemets. Euh, par le club qui lui a demandé de, de rester euh, plutôt euh, euh, sans voix en ce qui concerne de commenter ses adversaires. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Albert Herrera Il nous dit un match catastrophique dans tous les sens. C'est une réaction sur Beansport. Il, je cite, il dit l'analyse du match est catastrophique dans tous les sens, défensivement et offensivement. Je ne vais pas parler au niveau de l'état d'esprit parce que c'est la dernière chose. On ne peut pas leur enlever. Alors, j'ai écouter le passage, j'ai qu'on ne comprend pas bien ce qu'il dit sur l'état d'esprit. Ouais, moi je trouve qu'il n'y avait pas l'état d'esprit. Alors je ne sais pas si c'est ça qu'il a voulu dire ou autre chose. Et ensuite il rajoute dans l'intensité, on a essayé, mais les relances étaient en arrière. Possiblement c'était le pire match qu'on a fait. Défensivement, c'était très mauvais avec beaucoup de mauvais ajustements, des sorties sans sens, euh, ne pas être près de l'homme, de l'attaquant. Voilà. Donc il était euh, vraiment très déçu derrière et on le comprend. Hein. <laughs> il était peut-être. Euh... Autant que nous, euh, les supporters, on ne sait pas. En tout cas, lui, il est responsable de, des productions de son équipe, hein, puisque c'était, si je ne dis pas de bêtises, son 19e match de la saison. Ce qui, ce qui va faire chuter sa moyenne de points par match à Albert Lira. Hein. Il va réussir à faire. Euh, alors, déjà au classement, il ne fait pas mieux que, que Guillaume, mais en, en termes de points par match, il va réussir à faire aussi, aussi mal que, que David Guillaume. Donc, c'est vrai que c'est assez étonnant. Salut Tony, tu viens de nous rejoindre sur le chat. Je lis vos messages en même temps. Hein. Euh, et j'en afficherai certains. Marcelin, notre nouveau neuf, on en parle, nous dit Mathieu. Et oui, à 3-1, il n'avait plus de solution. Rappelons qu'il n'a amené que 17 joueurs sur la feuille de match. Hein. 17 joueurs. Hein. Oh. Pourquoi il n'en prend pas 18 Il estime qu'il n'y a pas assez de, de joueurs de talent à Bordeaux Que l'effectif n'est pas assez important C'est pas. Mais oui, il met Marcelin en pointe. C'est un peu à la désesperado, hein. c'est un peu un, un coaching désespéré en fin de match. Quand tu n'as plus de solution, bah, tu fais ça et ça a failli, ça a failli marcher puisqu'on a failli marquer un but. Voilà. Euh... <laughs> Jolie dédicace de Nico pour Charles, nous dit Benoît. Euh... Non, je parle des points par match. Charles qui est sociaux, que je salue, qui a très bons argumentaires euh, quand ce qui est de, de parler de, de football et des Girondins. Voilà. Noël qui nous dit c'est de pire en pire, autant les adversaires savent comment jouer contre nous, Rera lui se contente de vouloir faire le jeu, il veut s'en tenir compte, il veut jouer sans tenir compte de l'adversaire. Et si vous avez suivi les avant-matchs dans le talk de Jonathan D'Agostidon, et si vous avez lu l'avant-match sur Websirondin qu'on publie chaque veille de match avec euh, le titre c'est comment, à quel type de match s'attendre eh bien, on vous avait annoncé ce type de match-là, même s'il y avait une petite incertitude sur la hauteur de bloc d'Anti. On a vu qu'ils ont joué très haut et très agressif. Ça, c'était noté. C'est une des équipes les plus agressives, et une des équipes qui court le plus en Ligue 2, Anti. Donc, ce n'est pas une surprise. Si euh, nous, on le voit, si Jonathan D'Agostino, il le voit, eh bien, les autres, ils le voient aussi. Les joueurs, ils doivent le voir aussi, et le staff aussi. <coughs> Puisqu'ils ont, un... je rappelle, il y a des analystes vidéo au Girondin de Bordeaux. Après, c'est le coach qui prend ses décisions. Voilà. Donc voilà, la, la réaction de Rira. Euh, on, il y a eu aussi le, je vais vous montrer le, le joueur par joueur. Euh, mais peut-être la réaction de, de Laurent Guyot, le coach d'Annecy, qui a félicité ses joueurs à, à la mi-temps. Il est plutôt content. Hein, il n'avait jamais gagné deux matchs à domicile de suite à Annecy. C'est la première fois cette saison qu'ils enchaînent. Qui alors deux matchs à domicile, j'ai euh, une bêtise. C'est la première fois qu'Annecy enchaîne deux victoires consécutives. Voilà, euh, Ils n'avaient jamais marqué trois buts à domicile. Donc, c'est un très bon match pour eux. Ils sont contents puisqu'ils avaient gagné à Ajaccio euh, le week-end précédent. Ils battent Bordeaux, qui est 13e. Et Bordeaux est à sa place en étant 13e. Et ils se redonnent de l'espoir pour euh, se maintenir. Voilà. Donc, il dit bravo aux joueurs. C'est une victoire méritée. C'est sûr qu'on ne peut pas contester cette victoire euh, du côté euh, la, des joueurs d'Annecy. Hein. Elle est largement méritée. Ils ont dominé Bordeaux. En long, en large et en travers, ce qui m'amène à vous afficher euh, notre rubrique Data Girondin et les chiffres, les chiffres avancés. Et regardez les chiffres, je vous les dévoile. Hein. On est sur Web Girondin, vous avez vu, il n'y a pas de publicité quand vous êtes abonné sur le site internet. On a supprimé toute la publicité intrusive quand vous êtes abonné. Et donc, n'hésitez pas hein, à, à le faire. C'est beaucoup plus agréable quand, quand vous consultez l'actualité. Et donc, donc, le score 3-1. Et on voit que les touches dans la surface adverse, Annecy en fait plus que Bordeaux. Les expected goals, ce sont les occasions de but. Annecy s'est créé plus d'occasions de but, de meilleures occasions de but que Bordeaux. 1,69 versus 1,15. Annecy n'a pas manqué une grosse occasion. Bordeaux en a manqué une. Alors oui, on a la possession, hein, vous le voyez. Mais ça, c'est du classique. Je veux dire, avant les matchs, on sait que Bordeaux va avoir la possession. Par contre, j'attire votre attention sur les passes réussies. Et là, Bordeaux est quasiment 10 points en dessous de ses standards de la saison. D'habitude, Bordeaux tourne aux alentours de 85% de passes réussies par match, ce qui est euh, une qualité technique honorable en Ligue 2. Euh, alors, Annecy, on le sait, c'est l'équipe qui est la plus faible techniquement. Et on voit que les deux équipes techniquement, c'était catastrophique dans ce match. 61% de passes réussies pour Annecy. Mais ça, ce n'est pas une surprise. On savait qu'ils étaient faibles. Mais le pire, c'est que Bordeaux s'est mis au niveau euh, de son adversaire. Puisqu'elle a fait une prestation 10 points en dessous. Et ce qui est intéressant de se demander, c'est pourquoi il y a eu autant de déchets techniques dans l'équipe bordelaise. Je ne sais pas si vous avez des idées hein, sur le chat. Salut Michael qui vient d'arriver, c'est Christophe. Euh, on peut penser, en tout cas moi, c'est comme ça que j'interprète, c'est qu'il y a une trêve et qu'il y a une certaine lassitude des joueurs qui, pour moi, ont déjà compris après le match à Rodez que c'était fini. Ils ne reviendraient pas fallait absolument battre Rodez. Tu es tout proche de perdre, tu dans les dernières minutes. Et, tu, et déjà, là, ça change en termes de discours et tu sens que ça devient mécanique en conférence de presse. Ils te disent, oui, tant que c'est mathématique, on va essayer de jouer la cinquième place. Ils te le disent parce qu'il faut le dire. C'est des éléments de langage qu'on leur demande de passer. Ils les passent, que ce soit le coach et les joueurs. On l'avait vu avec Bokele, notamment. Et donc, ça, c'était avant QRM. QRM, on ne les bat pas. Et là, on va à Annecy. Et pff, il y a une... Comment dire Moi, je pense qu'il y a une lassitude, les joueurs ont compris qu'ils n'y arriveraient pas, et il y a une démobilisation des joueurs. Oui, c'est mental. Euh, je ne pense pas que ce soit dans l'histoire du rachat, même si on sait que la trésorerie dans le club, c'est très tendu en ce mois de mars, très très tendu. Euh, mais ça, on en parlera ce soir dans le talk, et on en parlera demain dans un autre MIDI 10. Euh, mais euh, oui, ça peut peut-être jouer le contexte coulisses. Mais je pense que c'est surtout le contexte sportif. Ils, font, ils ont fait des efforts pour essayer de s'adapter au jeu d'Albert Lira et ils voient que ça ne paye pas. Ils n'arrivent pas à enchaîner des victoires. Il y a trop de faiblesses. Il y a trop de joueurs qui sont en dessous. David Ajvili, Vipotnik, qui sont en dessous. Il y a beaucoup de blessés. Euh, il y a des leaders qui ne sont pas encore, qui n'ont plus les ressources nécessaires pour motiver le groupe. On voit que Johan Barbet, il est usé. Moi, je le trouve usé quand on voit le match qu'il fait, il loupe des passes simples, c'est un problème de concentration. Donc, euh, cette trêve arrive au bon moment. Néanmoins, le, le, le pire, c'est que tu, tu vas perdre à Annecy, et, et alors que si tu gagnes, tu peux revenir à trois points de la cinquième place, mais tu ne gagnes pas. Et tu vois, c'est la cinquième place qui part, et tu dois maintenant te dire qu'il faut basculer en mode maintien. Et ça, le mode maintien, c'est impératif. Voilà. Donc tout ça pour parler des dépasses réussis qui me font un peu, un peu dévier de, de l'explication. Je reviens sur les chiffres. Et là, c'est intéressant, c'est que l'intensité défensive, elle était du côté de l'adversaire. Souvent Bordeaux la met, même si sur les derniers matchs, c'était. Euh, c'était euh, partagé, euh, où Bordeaux n'avait pas mis assez d'intensité, euh, notamment à Rodez, où on s'était fait manger, notamment contre Guingamp aussi. Euh, contre RM, on en avait mis un peu plus, on était retombé dans des standards classiques de la saison. Et là, même si Bordeaux en a mis, mais, euh, on l'a vu, hein, Annecy dans les duels, ils étaient sur l'homme, ils ont défendu en avançant, ils ont mis de l'intensité et ils ont récupéré dans le camp adverse 31 récupérations de balles d'Annecy dans le camp adverse, seulement 25 pour Bordeaux. Euh, Bordeaux avait le temps de faire 8 passes seulement avant qu'Annecy euh, ne décide d'intervenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le, le plan de jeu il est assez simple pour nos adversaires. Tu laisses la possession à Bordeaux, mais tu maintiens une possession euh, haute euh, de Bordeaux, c'est-à-dire loin de, de, du but de l'adversaire. C'est-à-dire qu'Annecy a voulu maintenir la possession bordelaise loin de son but. Ils l'ont plutôt mal, pas mal fait, puisque la hauteur de bloc d'Annecy, elle est de 58 mètres. Bordeaux, 47 mètres. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait de... On n'y était pas dans ce match. Donc, euh, et on peut féliciter Annecy, qui a eu le plan de jeu parfait, euh, pour, pour nous inquiéter. Et ils ont converti leur, leurs occasions. Voilà. Euh, on voit que Bordeaux a, a fait moins de fautes. Beaucoup de fautes d'Annecy, 26 fautes, c'est énorme. Duel au sol, pourtant Bordeaux a remporté des duels. Ça, c'est assez incroyable. Mais Annecy a été plus percutant et a joué plus haut et a récupéré des, des ballons plus dangereux que, que Bordeaux. Et enfin, trois arrêts du gardien d'Annecy contre deux pour les Girondins. Voilà, sur ce match d'Annecy, les chiffres sont implacables. Implacables. Voilà, le constat, il est sans appel. Et je rajouterai, puisque si vous avez suivi la masterclass avec euh, Daniel de DT Football, hein, qui produit tous ces chiffres, hein, qui a sa société, c'était réservé aux abonnés. Et si vous abonnez, vous pourrez y accéder. Cette masterclass, on a passé une heure pour détailler les chiffres et on a parlé de l'importance des expected points. C'est-à-dire que les points sont, euh, par rapport à un algorithme, on partage les points entre les deux équipes et on voit qu'en expected points, sur trois points environ, euh, 1,85 points pour euh, Annecy et 0,89 pour les Gérondins. voilà. Parce que parfois, tu peux avoir, euh, euh, par exemple, QRM qui a fait match nul face à Bordeaux, et euh, finalement, ZXPEPTI point points, Bordeaux était devant. Là, non, Bordeaux est derrière. Donc, euh, c'est vrai que c'est une victoire sans contexte, sans appel. Voilà pour, euh, pour Annecy. Voilà pour, euh, pour ces informations chiffrées qu'on vous donne sur Web Gironda. Euh, salut Yvan, salut Donatien qui est là, euh, salut Yvan qui nous dit euh, bravo pour tes émissions, tes intervenants et toi. Euh, vous tranchez tellement par rapport à nos dirigeants, coachs et joueurs au niveau humilité, courage pour la fin de saison. Mais merci Yvan, mais oui, il faut être humble dans la vie, c'est pas facile. Hein. Et voilà, mais merci, ça fait plaisir de, de lire ce message. N'hésite pas à nous soutenir, euh, t'abonner euh, au réseau et, et, et à devenir sociaux. Voilà je vous montre le joueur par joueur petit joueur par joueur que j'ai écrit alors hop il s'affiche pas dans la bonne fenêtre je vais vous le montrer là pour compléter et terminer ce, ce match d'Annecy euh, c'est une analyse que, qui est faite sur Webgirondin. alors là c'est moi qui l'ai écrite c'est pas forcément moi qui l'écris toujours mais là c'est moi et euh, juste l'analyse du coach je vous lis il maintient de Lima, latéral gauche face à Candil, ça aussi, un de Lima face peut-être au meilleur joueur offensif euh, adverse qui était Candil, hein. et de Lima un poste de défenseur latéral qui n'est pas forcément le sien. Peut-être que ce n'était pas bienvenu, mais on a vu que même en mettant Ecomier, Ecomier s'est euh, troué. Donc bon, on peut se demander quelles sont les solutions delbert de, Lira. Mettre Vipotnik sur le banc, profit de l'ivolant aussi. Euh, C'était un choix euh, euh, intéressant. De la part d'Albert Hira, on voit que c'était plutôt payant parce que niveau Marc, il est très très actif, très très actif. Niveau l'an. il fait énormément de courses et ça c'est utile pour l'équipe. C'est coaching à la mi-temps et en cours de match. J'ai mis son désespéré. C'est vrai que moi j'ai trouvé un peu désespéré, pas de solution, à l'image de Marcelin en attaque dans les dernières minutes de jeu et je trouve qu'il semble. Albert Lira, sans idée positive pour son groupe et sans solution. Et c'est ça qui est vraiment le plus inquiétant. Ça rappelle euh, un petit peu euh, l'année de la descente avec Guillaume et j'avais titré au mois de mars 2022 SOS Girondin Plan de jeu en détresse. C'est incroyable. Je, je m'en suis aperçu après avoir titré ça et j'avais titré presque la même chose au même moment. Et cette année, j'ai titré SOS Girondin en détresse et j'avais titré à l'époque de Guillaume SOS Plan de jeu en détresse. Quoi. Dans on a l'impression qu'on n'avance pas, quoi. On n'avance on, on, on pas. Et là, on est en Ligue 2 cette année. Donc, c'est pire. Et concernant Johan Barbé, puisque je vois que vous en parlez sur le chat, je crois qu'il lui reste encore une an, un an de contrat, Benoît. Et génie sur son match, il avait la tête ailleurs et a joué avec une sorte de nonchalance qu'on ne lui voit pas d'habitude. Il a raté des relances, des gestes simples. Il n'a pas su ou pu motiver euh, son équipe et redresser euh, son collectif. Voilà, il semble usé. Et même une de ces relances ratées aurait pu coûter très cher Enfin, deux de match. Voilà, un peu sur le match. Vous irez le lire, hein, c'est sur le site. Voilà. voilà. Donc, euh, orphelin de Gregersen, euh, oui, orphelin de, de beaucoup de monde. Hein. Euh, on peut souligner quand même le bon match de Johnson. Moi, je trouve qu'il fait un match correct. Et le bon match de Gaetan Weisbeck. Voilà, je trouve que Gaetan Weisbeck a été très bon dans ce match. A été bon. Voilà. Après... Euh, tu ne peux pas t'appuyer sur deux joueurs dans ton 11, hein, c'est pas possible. Et puis, il faut un plan de jeu maîtrisé par toute ton équipe. Quoi. Voilà, c'était vraiment un match sans. Je trouve qu'il est dans la lignée du match qu'on perd contre euh, Angers et du match qu'on perd aussi euh, à Bastia, voilà, qui était catastrophique, même si à Bastia, <laughs> tactiquement, euh, c'était un peu n'importe quoi. Euh, voilà, pour, pour ce match-là, euh, on en reparlera euh, ce soir avec euh, les chroniqueurs qui feront leur, leurs enseignements dans le talk. Euh, on se connecte sur WebGirondin et maintenant, on va parler des féminines. Je ne sais pas si vous avez vu euh, ce qui s'est passé pour les féminines avec une photo de Fiona Liègre, euh, la jeune Bordelaise hein, euh, internationale hein, qui est à terre après ce match perdu face euh, à Dijon. C'était le match de la dernière chance. Elles ont perdu, même si mathématiquement ce n'est pas fait. Mais il reste cinq matchs avec euh, un, un match contre Lyon. Et on, elles vont descendre. Hein. D'ailleurs, on peut noter qu'il y avait des filles en pleurs à la fin du match, les filles qui pleuraient et euh, le public du stade Saint-Germain, hein. peu nombreux, mais euh, avec les, les fidèles de cette équipe féminine qui ont chanté des merci Gérard, merci Gérard, s'adressant à Gérard Lopez, euh, avec ironie. Et on a même vu Patrice Lair qui a fait un, un grand merci en direction de la tribune d'honneur et de Thomas Jacquemier, le directeur général, en pointant du doigt en lui disant merci. Et à noter que, que Thomas Jacquemier est sorti, <laughs> escorté par euh, les stadiums. Alors c'est incroyable, alors que bon, l'ambiance n'est pas forcément... Euh, L'ambiance est toujours bonne, enfant au, au Stade Saint-Germain, dès que c'était du chambrage. Euh, mais non, moi, il est sorti, euh, il a plus peur pour lui, certainement, alors que je pense qu'il n'avait pas à avoir peur pour lui. Et euh, sorti euh, avec euh, les Stadies, ce qui montre quand même une extrême tension euh, dans l'équipe. Et on peut se demander même si Patrice Lerre, avec ce geste hein, envers euh, Thomas Jacquemier, euh, ne risque pas euh, une petite convocation euh, devant sa direction. On verra. On verra ça parce qu'il bon, a quand même pointé du doigt de manière ironique la direction du club en leur disant merci, euh, sous-entendu, merci pour votre travail ou euh, votre non-travail pour la section féminine. voilà Mais c'est vrai qu'elles étaient en pleurs. Voilà. C'est vrai que c'est triste de voir cette dégringolade et cette descente en division 2 d'une du, équipe de l'élite, du club, hein, puisqu'elle passe euh, de division 1 à division 2, comme euh, les garçons sont passés de Ligue 1 à Ligue 2. Voilà. Donc, on leur souhaite bien du courage pour les cinq prochains matchs. On peut parler aussi de l'équipe de, de National 3. On va aller dans l'onglet formation de, de Web Girondin. Up, National 3, qui a encore perdu face à Bayonne hein, dans les dernières minutes de jeu, alors qu'elle menait cette équipe de National 3, elle menait un but à zéro avec un but de Mediarfi qui était euh, rentré en jeu. Et malheureusement, elle s'est pris deux buts coup sur coup euh, en fin de match, voilà, euh, alors qu'elle a eu beaucoup d'occasions et elle aussi. Elle se retrouve euh, à 9 points du premier non relégable. Et alors que l'équipe de National 3, dirigée l'année dernière par Romain Ferrier, qui est aujourd'hui directeur technique de la formation, donc c'est lui qui, qui chapeaute toute la formation bordelaise, Romain Ferrier, eh bien, elle avait été reléguée la saison dernière, cette équipe de National 3. Elle avait été repêchée à l'intersaison pour évoluer de nouveau en, en National 3. Dès cette année, elle va encore être reléguée en Régional 1. Voilà, c'est encore un échec. Et c'est plutôt inquiétant, euh, catastrophique de voir que, que les, les joueurs du, du centre de formation vont évoluer en régionale 1. Est-ce qu'il y a possibilité d'être repêché Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne vois pas comment elle pourrait euh, remonter euh, ces 9 points de retard à, je crois, il reste 7 matchs de la fin. Voilà. D'ailleurs, euh, allez lire l'interview de Mathieu Chalmé il en parle un peu à mot cachés parce qu'il ne veut pas tirer sur l'ambulance non plus, mais il dit les choses. Et Mathieu Chalmé, je le citerai, a dit euh, parce qu'il euh, termine quatrième hein, de National 3 euh, l'été 2022 et il est écarté euh, de l'équipe de National 3, la quatrième pour être mis en U19 euh, au profit de Romain Ferrier qui avait qui fait descendre l'équipe. Voilà. Et cette année, c'est Erwan Lanuzel qui, qui n'y arrive pas à la maintenir. Voilà pour l'équipe de, de National 3, voilà pour ce week-end catastrophique hein. défaite des pros qui sont à 4 points de la relégation, défaite. Et quasiment condamnation euh, de l'équipe de Dear qui va descendre en D2 et défaite de la National 3 qui va être aussi reléguée. Ça fait beaucoup de relégations en ce moment qui s'enchaînent à Bordeaux. C'est assez morose euh, sur le plan euh, général du club. Je vais vous montrer maintenant. Euh, ça fait 24 minutes qu'on est ensemble. J'espère que ça vous plaît ce, ce type de format. On se retrouvera demain aussi à midi 10. Hein. J'ai décidé d'en faire un. Demain, on parlera de. Vente du club, investisseurs euh, et, et, et tous ces sujets. Euh, J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, likez, abonnez-vous au réseaux et soutenez Web Girondin. Programme du talk ce soir avec un invité. Et eh oui, on a un invité dans le talk. C'est un auteur, un supporter des Girondins, Perugourdin, qui sera avec nous, qui a sorti un roman sur les Girondins de Bordeaux. Je vais vous afficher euh, le programme. J'espère que vous allez le voir là. Hein. Hop. Alors, il n'est pas là. Il est là, le programme, je me trompe, il est là, le programme du talk. Donc avec l'équipe du talk, hein, Samuel, Gino Forte, Samuel Vasselin du Club des 5, Gino Forte et Jonathan D'Agostino et moi-même. On parlera un petit point sur les féminines, euh, point rapide sur les féminines pour ouvrir euh, l'émission. Ensuite, on parlera des enseignements à Annecy-Bordeaux avec une heure consacrée au match, au débrief à froid du match environ. Et ensuite, on recevra Pierre Parça. Regardez, je vais vous montrer son livre, je l'ai là, le livre, Pierre Parça, qui a écrit un livre sur les Girondins. Ça s'appelle Le Dernier règne des Girondins de Bordeaux. Vous pouvez le trouver sur Amazon, il hein. est Alors moi, je l'ai lu, je n'aurais pas fini pour ce soir, mais je sais que Joe D'Agostino euh, l'a lu. Voilà. Très bien documenté, euh, où il retrace euh, le sacre de 2009. Euh, C'est un roman. Mais c'est documenté avec les matchs, il revient sur les matchs et on est dans la peau d'un journaliste. Donc on en parlera. Il sort un nouveau livre aussi bientôt, il nous dira de, de quoi il s'agit. Donc euh, ça sera euh, intéressant, je pense, pour vous de, de voir ça. Et ensuite, quatrième thème de cette émission euh, qui sera euh, Gérard Lopez doit-il quitter les Girondins de Bordeaux Voilà, puisqu'on voit que depuis ce week-end, énormément de personnes se posent la question. Il est pointé du doigt pour sa gestion et on voit les résultats catastrophiques. Sur le plan sportif, donc euh, voilà, on se posera la question et on, on vous aurez l'avis euh, des chroniqueurs du Talk et vous pourrez donner aussi votre avis également dans les commentaires. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce programme Dites-moi ce que vous en pensez. Il faut inviter Gérard Lopez, mais Gérard Lopez ne, vient, ne viendra pas. Il est bien sûr invité, hein, il ne viendra pas. Hein. Ce serait avec plaisir qu'on aimerait l'avoir. Mais il ne viendra pas. C'est sûr. Didi qui nous dit « Est-ce vraiment la faute de tous ces coachs ?» Je ne pense pas. Ben non, c'est plus structurel. Hein. C'est plus structurel. Déjà, il n'y a pas de président à temps plein à, à, en présence euh, au haillants hein. depuis trois ans. Hein. Ce euh, n'est pas, pas une surprise pour moi. « Très bon programme, nous dit Darmagnac. Salut Darmagnac. Salut Tony. Merci, messieurs. Qu'est-ce que je peux rajouter Écoutez, c'est tout. Euh, J'avais noté quelque chose. Euh, voilà, programme du TOC, je vous attends ce soir. Je ne sais pas si vous avez une question ou deux. Oui, petite psychanalyse romain. <laughs> ah, la vie. Écoutez, si vous connaissez les, les personnes du TOC, je pense que vous, vous connaissez déjà euh, leur avis, euh, sans doute. Et il faudra écouter leurs arguments. Euh, mais vous connaissez déjà leur avis, je pense. Après, on ne connaît pas l'avis de, de Pierre Parça, hein, qui est auteur euh, sur les Girondins. On, on, ça serait intéressant de, de voir son avis et vous, vous pourrez donner le vôtre. Voilà. Est-ce que vous avez une petite question Et la non-vente du club ben, On ne sait pas. On en parle ce soir et demain. On en parlera demain dans le midi 10 et on en parle ce soir. D'ailleurs, j'ai publié un extrait de. Oh, on va le regarder, je vais l'afficher. J'ai publié un extrait de, de TV7. Nicolas Legardien, sur le dossier Kouchi Benabou, qui est le seul dossier connu de proposition de rachat des Girondins, où il dit selon les échos que nous avons, Gérard Lopez ne serait pas convaincu par leur dossier. Ils ont fait une lettre d'intention. Et enfin, il dit Gérard Lopez a l'habitude parfois d'attendre le dernier moment afin de mettre la pression dans les négociations. Voilà. Donc allez lire cet article, c'est sur webgirondin.com, tenez, je vous le mets, je vous le mets en lien. Je pense que quand il dit ça, le, le journaliste de Sud-Ouest, eh il sait de quoi il parle. Je vous le mets sur le chat. Voilà. Je me mets sur le chat. Voilà, messieurs et mesdames. Merci d'avoir suivi ce midi 10. Voilà, c'était un point actuel 20, 28 minutes, 30 minutes. L'idée, ce n'est pas, pas de faire une heure. On se retrouve ce soir à 19h30 en direct dans le talk. Et euh, on se dit, on se souhaite, je vous souhaite et je me souhaite une bonne après-midi. Et à tout à l'heure. Allez, bonne, bonne journée. Allez, Bordeaux. Ciao. I used to stick around, definitely not for too long. But boy, you got me hooked and made me wanna write this song. God, all guys are these scared, but I'm aware that you're special. So let me take us somewhere where we could be alone. You i see a pretty picture. You're the sun, on the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach you how to open up a nice baby. baby. <laughs> <laughs> Why do give it a go? See?